Salut les barbares, ici Suzy de Warzone, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour un format un peu particulier puisqu'il va s'agir d'un petit récap sur la Ligue Invite de la CWL. Alors, depuis le temps que je vous parle de cette fameuse CWL, et maintenant qu'on y est, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a peu de contenu en français qui sont accessibles à tout le monde. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire quelque chose pour partager avec vous encore plus ce qu'on vit en fait maintenant qu'on est en CWL. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Eh bien, pour commencer, on peut regarder les différentes ligues de la CWL. Cette année, la CWL se partage en 6 ligues. La plus petite, c'est la Light. Donc voilà, il y a une quarantaine de ligues en light et en highlight. Highlight, c'est une ligue qui vient d'être ajoutée cette année parce que justement, il y a tellement, tellement de demandes. Vous avez vu dans la vidéo de présentation de Chakadunga tout à l'heure, on a 170 clans en CWL pour cette saison. C'est énorme. En ligue highlight, on a déjà deux clans français. Alors, on a Marcheur Blanc, un clan français, et Gros Sac Noir, un clan francophone, puisque ils sont à majorité québécois. Donc voilà, ça c'est plutôt sympathique d'avoir des Français et des francophones en CWL. C'était pas forcément le cas les trois précédentes saisons. On sait qu'il y avait Marshall's Nation et il y avait Gabales. Et après, c'était assez hermétique. Les Français ont mis un peu de temps pour arriver, mais on y est. Il y a après la Ligue Rising. Alors, en Rising, je suis en train de regarder. Il y a pas mal de clans, en fait, qu'on croise souvent, que même nous, on a déjà croisé auparavant. Lors de random, par hasard, je vois Cold September, WHF Rising, etc. Dans la Rising, on retrouve donc les Marshall's Nation. Bravo à eux pour la Rising. Alors, l'histoire de Marshall's est un peu particulière. Ils étaient en première en saison 2, puis en invite en saison 3. Et comme ils ont déjà tout fait, ils se sont dit qu'ils allaient réduire un peu leurs effectifs et passer en Rising pour voir un peu comment c'était de se la couler un peu plus douce. Grosso modo, c'est ça. Je sais, c'est une mauvaise blague, mais bon. Et en Ligue Apex, qui est donc une nouvelle ligue également créée, légèrement au-dessus de Rising dans le classement, on retrouve Gabales, Cocorico. Ça fait plaisir de voir nos potes qui ont grimpé et qui sont passés donc de Rising à Apex. Donc voilà, toujours pareil, on retrouve pas mal de très gros clans, les Crunch Times, Warmasters, Dark Looters, Y, et tant d'autres encore. Et ensuite, alors c'est pas ça, c'est ici, voilà. Après la Ligue Apex, vous avez la première. Cette année, la Ligue première est vraiment impressionnante parce que vous avez un paquet de clans qui étaient précédemment en invite, qui sont redescendus d'un cran. La pression dans la dernière saison était assez compact en fait pour tout le monde. Donc du coup, il y en a beaucoup qui ont fait le choix de redescendre en fait d'une ligue pour retrouver et préserver aussi leur plaisir de jouer. Ça n'empêche qu'il y a quand même des clans en invite. Alors, la ligue invite, contrairement à toutes les autres, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, les autres ligues sont partagées donc en pool avec des noms voilà, anglophones, hein, Jump, Heal, Air Defense, etc. Donc la ligue Invite n'est pas partagée sur cette saison. Il n'y a que 18 clans. Et nous, on est donc parmi ces 18 clans-là. Alors, pour ma part, je vais pouvoir vous décortiquer ce qui se passe en Invite.
Malheureusement, je ne suis pas assez au courant. Il y a tellement de choses qui se passent, ça va tellement vite que j'aurais beaucoup de mal en fait à vous dire ce qui se passe partout ailleurs. Mais on va décortiquer la Ligue Invite. Alors, on vient de faire, vous avez vu dans ma précédente récap, donc notre deuxième match, c'était la semaine numéro 2. Mais on va faire un petit retour rapide. Ah, là c'est le calendrier. Donc oui, là vous avez le calendrier pour cette saison 4. Regardez, ça va grosso modo jusqu'à fin juin. On va avoir donc une douzaine de matchs environ. Ici, c'est donc un format de championnat avec un classement. À l'issue de ce classement, les 10 meilleurs clans de la Ligue Invite pourront aller en playoff. Et ensuite, là, il y aura les quarts de finale, les demi-finales, etc., etc. Donc, la semaine dernière, ce qui s'était passé, c'était tous ces matchs-là. Les premiers matchs de la CWL. Vous avez vu également donc notre récap. On avait fait, nous pour notre part, on avait fait un joli score de 149 contre North Remembers, qui avait fait aussi une très belle GDC. Faut pas l'oublier, c'était une 50 contre 50. Mais bon, grosso modo, voilà, on avait Mariana Trench contre One Hive 130 à 126. Mariana Trench, décidément, qui ont commencé, mais du feu de Dieu, ce début de saison. Il démarre très très fort avec de très gros scores et un très gros niveau. C'est un clan définitivement à surveiller et on les retrouvera très probablement en playoff. Guantanamo Bay contre Warwells. Oh là, ça aussi, c'était un gros match. Guantanamo Bay n'a pas eu de chance. Warwells ont été définitivement poussés par le fait que ils réintègrent en fait la CWL. Donc victoire écrasante pour Warwells. Spartans Legacy contre Kansha. Alors Kansha, c'est un clan japonais. Ils étaient en CWL en saison 2 et ils sont revenus là en saison 4. Ils ont un peu souffert face à Spartan Legacy qui, comme Mariana Trench, font partie de ces clans à surveiller définitivement. 115 à 110, un score sans appel. One Hive Genesis et North Watchers. North Watchers, c'est un gros clan. One Hive Genesis, on ne les attendait pas là. Et pourtant, voilà, ils ont gagné 116 à 114. DLZ contre Elite Gaming, ce match-là aussi était très attendu. Regardez comme le score était serré, 129-128. Elite Gaming, ils font partie des petits chouchous aussi sur cette saison-là. Ensuite, bon, là c'est nous. Forbidden qu'on a rencontré là juste ce week-end contre Reddit Omega. Là aussi, deux énormes clans qui se rencontrent. Reddit Omega, la dernière saison, ils étaient assez, pas moyens, mais voilà, c'était un clan invite. Ils s'en sont bien sortis, mais de façon pas forcément laborieuse, mais voilà, on sentait qu'ils avaient souffert en début de saison 3. Et ensuite, par contre, ils ont gagné avec leur constance et ils ont atteint un niveau assez impressionnant en fin de saison. Mais là, contre 4B, alors 4B, il faut savoir que c'est le regroupement, donc Forbidden, ce clan-là a gagné en fait la première de la saison 3. Et les gagnants de la Ligue Invite de la saison 3, les Faked Wargasm, se sont retirés, mais il y a une partie des joueurs qui ont migré chez 4B. Donc autant vous dire que là, c'est une concentration de talents impressionnant. 129 à 128, un score super serré. One Hive 2.0 et Bye Forever 113 à 114. Bye Forever, on les avait rencontrés pendant un de nos matchs de placement et ils sont bons. Donc là, allez, c'est pareil,
C'est super juste comme score et ça détermine pas vraiment qui prend l'ascendant dessus. WHF contre Cold September. WHF, gros clan à surveiller, on les retrouvera en playoff, ça c'est indéniable. 130 à 126, rien à dire sur ça. Alors, voici le score, les scores de cette deuxième semaine, ce week-end qui vient juste de passer. Alors, regardez, Mariana Trench 131 contre North Remembers 126, écrasant, et ils continuent sur leur lancée comme des fusées. Là, pour l'instant, ils semblent instoppables. Clanton Nemo Bay contre WHF, j'ai vu la fin de ce match. Oh mon dieu, c'était juste. J'avais le cœur brisé pour Clanton Nemo Bay, que j'aime beaucoup comme clan, j'aime beaucoup leur mentalité et leur façon d'être. Et ils ont perdu au pourcentage, 128 à 128. C'est juste affreux. Surtout que WHF avait un fail dips. On reviendra sur le décortiquage des scores tout à l'heure. Spartan Legacy, War Whale, 129-126. Enfin bon, bref. Une tripotée d'énormes matchs se sont passés donc ce week-end. Beaucoup de choses à dire dessus. Un petit regard sur les statistiques de la Ligue Invite. En 11v11, on a 38% de Tristar. Donc voilà, c'est juste nickel. Il n'y a pas grand chose à dire. Les 11v10, bon, ça c'est du dips. Il y a eu quelques fails un peu partout, bon bah dont les nôtres, hein. Ça rentre là-dedans aussi. 10v10, la moyenne c'est aux alentours de 30. 30% de 10v10 en invite. Et après les 9v9. La moyenne c'est 68% de hit rate. C'est plutôt pas mal. Voilà, là on entre dans le dur. Comme je vous le disais, Mariana Trench contre North Remembers, un joli score sans appel pour en faveur de Mariana Trench, MT donc. La différence, où est-ce qu'elle se joue? Au niveau des 9v9, 21 partout. Plus gros score du côté de Mariana Trench. 10v10, définitivement plus pour Mariana Trench. Regardez, 9 et seulement 3 pour North Remembers. Donc on sent qu'ils ont souffert. Les pauvres, ils ont pas eu de chance. Donc là, les deux premiers matchs pour eux étaient des défaites. J'espère qu'ils vont remonter la pente bientôt au long de la saison, tout le long de la saison. Donc, Clanton Nemo Bay contre WHF, c'est cette fameuse GDC où... Ah là 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 là. 11v10, il y a eu un fail deep du côté de WHF et en fait, Clanton Nemo Bay aurait pu remporter la victoire. Mais à la dernière minute, en fait, ils ont fait une tentative de Tristar, alors qu'en fait, juste un 2 étoiles aurait suffi largement. Un petit problème de communication. C'est super dommage. Et du coup, ça leur a coûté la victoire au pourcentage. Spartan Legacy contre War Whale. Bon, bah, 129 contre 126. Ici, on voit il y a un fail dips du côté de SL. Au niveau des 9v9, c'est assez équivalent. Par contre, les 10v10, non, quoique 10 et 9, voilà, c'est assez équivalent. La différence, c'est sur les 11v11 dans ce match-là. Il y en a eu un pour SL et War Whales n'a pas réussi à en placer. Donc voilà, 129 à 126. OAG contre Kancha. 116-111, pas beaucoup d'explications. Kancha... Leurs TH9 ont un peu souffert.
Leur TH10 ont beaucoup souffert, 4 seulement de leur côté, 9 du côté de OAG. Autant de 11v11 d'un côté comme de l'autre, 2 sur 3. Et après, pas de fail dips, donc voilà. DLZ contre North Watchers. C'était serré, hein. 9v9, sensiblement la même chose. Un fail dips pour North Watchers. Ouais. C'est bien ça qui leur a coûté. Enfin, malgré. Non. Malgré le fail dips, ils ont réussi donc à gagner par rapport à Dark Looters. Et c'est parce que voilà, ici, ils ont placé un 11v11 en plus. Et 10v10, ils en ont un peu plus aussi que DLZ. Ouais. Alors, bon, bah, ça c'est nous, hein, Forbidden contre Warzone 68. Comme je vous l'avais expliqué, nous on a souffert sur les 9v9. Notre hit rate est tombé à 50%. on était stressés parce que ce match-là, je pense que c'est le plus gros match qui nous a été donné de jouer. Et puis voilà quoi, donc il y avait une pression énorme sur nos TH9. Donc voilà, on n'a pas pu dégager assez de scouts du coup, mais les TH10 à chez nous ont réussi à bien remonter la pente. Je pense qu'il y avait moyen en fait pour qu'on gagne cette GDC. Mais bon, on a eu un fail 11v11 à la dernière minute. En fait, sur les 2-3 dernières minutes, en fait, il y a eu 4 11v11 pratiquement en même temps. Et eux, ils les ont rentrés et pas nous. On n'en a rentré que un. Et puis voilà. Mais bon, on n'a pas. Je pense que le score est plutôt. Honorable pour un début aussi laborieux que le nôtre, donc rien à dire, c'était un super travail d'équipe pour remonter la pente, et ça c'était vraiment très très bien à souligner donc, et bravo à l'équipe de 4B qui a fait un show impressionnant. OH2 contre Cold September. OH2 qui remporte la GDC assez haut la main. Et ça se joue sur les fail dips. Ici, 2 fail dips pour Cold September. Super dommage, parce qu'après, il n'y a pas eu de 11v11, 10v10 sensiblement équivalent, 9v9 c'est les mêmes. Mais vraiment, les fail dips sur les 11v10, 2 du côté de Cold September, ça leur a probablement coûté la victoire. Reddit Omega contre OneHive, donc E2 c'est pareil, OneHive était donc finaliste à la dernière saison, ils ont perdu contre Fake Wargasm, et Reddit Omega, ils sont allés super loin dans les playoffs aussi, 125 à 130, waouh, très grosse victoire de OneHive. Il y a eu un 11v11 de chaque côté, plus de 10v10 côté OneHive. Les 9v9, les pourcentages sont pas très très loin. Et un fail deep pour Reddit Omega. Donc voilà, une conjoncture d'événements non favorable pour eux. Bye Forever et Elite Gaming. Elite Gaming, donc cette saison, c'est pareil, ils font partie des favoris. Et donc, ils ont gagné contre Bye Forever. Pas de 11v11 sur ce match-là. 10v10, 9 et 10, sensiblement la même chose. 9v9, tranquille des deux côtés. Et pareil, un fail deep pour Bye Forever. Dommage, dommage pour eux. Donc voilà. Le week-end prochain, enfin le week-end qui arrive là, ça c'est le programme de ce qui nous attend. Mariana Trench contre Dark Looter Z.
Aïe, 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 aïe. Regardez, Mariana Trench, déjà deux victoires de leur côté. Dark Looters viennent d'en perdre un. On pourrait se dire que Mariana Trench va le remporter forcément, mais voilà. Connaissant les Allemands de DLZ, moi je me dis que je voterai plutôt pour eux. Klantanemo Bay contre Kancha, là il n'y a pas à discuter, ce sera CB forcément. Kancha ont un niveau qui est un peu plus prédictible, on va dire, sur cette saison. Là pour l'instant, on sent qu'ils sont en train de reprendre. Donc ils vont probablement progresser tout au long de la saison, mais là on en est qu'au début, et contre Klantanemo Bay, je suis pratiquement sûre qu'ils ne vont pas faire le poids. Spartans Legacy contre WHF, deux gros clans gagnants. Ça c'est compliqué, je pense que Spartans va le remporter. Ils sont vraiment dans une super bonne dynamique en ce moment, et ils écrasent tout sur leur chemin, donc forte chance que ce soit eux. OAG contre Reddit Omega. Je pense pas que Reddit Omega reste avec une troisième défaite. Donc je pense que là ils vont se ressaisir, manger du lion, et ils vont écrabouiller OAG. North Watchers contre Buy Forever. Ah, celui-là il est compliqué, mais nous on a déjà joué Buy Forever, mais je pencherais plutôt pour North Watchers. North Remembers et Elite Gaming. Alors malheureusement pour North Remembers, je pense que là ça va être compliqué pour eux aussi. Elite Gaming pour l'instant ils sont trop en forme, donc voilà, ils vont l'avoir facilement. Alors, 4B contre OH2. 4B. Alors, nous contre One Hive. Donc, c'est ce week-end. Dans les détails de cette vidéo, je vous indiquerai donc les liens des streams, etc. C'est super flippant, en fait, comme match ce week-end. Je vous avoue que... il y a un peu de pression. Il y a quand même un peu de pression. Là en ce moment, à chaque fois que je me connecte sur le chat, ça parle de stratégie, de base, d'entraînement, etc. etc. On sent que voilà, on est en train de se reconcentrer, de s'isoler dans une petite bulle. Je ne sais pas, là pour le coup je ne sais pas du tout quoi dire. Je pense qu'on a les moyens de les battre, largement on a les moyens. Maintenant après il faut voir si on arrive à gérer ce petit côté un peu pression. Faut pas oublier qu'on est les petits nouveaux en fait en League Invite, et tous ces clans là ont déjà tous au moins une à deux saisons d'expérience, donc c'est pas du tout la même façon d'aborder les matchs en fait. Cold September contre War Whales. Celui-là, il est compliqué. Les deux ont intérêt à gagner ce match-là. Cold September ne veut pas avoir une troisième défaite, ça c'est sûr et certain. Et War Whales ne voudra pas perdre non plus. Donc ça, ce match-là, ce sera à surveiller définitivement. Donc voilà. J'espère que maintenant vous voyez un tout petit peu mieux ce que c'est que la CWL. Si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous voulez savoir ou approfondir un peu plus, n'hésitez pas à me faire des commentaires ou à m'envoyer des messages pour me le faire savoir. Je vous avoue que bon, là c'était plutôt un test plus qu'autre chose, parce que je me disais qu'il n'y a pas de contenu en français, donc c'est un peu dommage. Pour ceux qui comprennent l'anglais et qui n'ont pas peur d'aller écouter des streams anglophones, je laisserai donc des chaînes Twitch
Ça se passe plus sur Twitch que sur YouTube, sur la scène internationale. Et n'hésitez pas donc à aller voir, etc. Et n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'infos. Donc voilà les barbares. Donc souhaitez-nous bonne chance pour le match de ce week-end contre One Hive, finaliste de la saison 3. Et nous, Warzone, les petits Frenchies, les petits rookies même, comme ils peuvent dire, on est là et on a envie de manger du lion aussi. Allez, en attendant, enjoy!